Bonjour à tous. Je suis Houla Shu. Bonjour. Moi, je suis Houla Shu. Aujourd'hui, nous allons apprendre les pronoms personnels et aussi l'utilisation du verbe être. Vous êtes prêts C'est parti. On va commencer par le pronom personnel. Donc d'abord je, ouah, ouah. Ensuite, tu, c'est ni, ni, il ou elle, les deux, c'est la même prononciation, mais les caractères sont différents. Donc, on le prononce ta, ta. Ça, c'est les trois pronoms personnels singuliers. Ensuite, pour les pluriels, on va ajouter juste un caractère, c'est main. Derrière les pronoms personnels singuliers, ça forme le pluriel. Donc, pour nous, c'est singulier je plus main, donc c'est waman. ça c'est nous. Ensuite, vous en pluriel, c'est ni men ni men et pour il en pluriel c'est tamen tamen elle en pluriel en prononciation c'est pareil hein que il en pluriel donc c'est tamen tamen donc ça c'est les pronoms personnels alors, les pronoms personnels, ils jouent les mêmes rôles euh, que les pronoms personnels en français. Alors, sauf qu'en utilisation, ils sont plus euh, simples à utiliser. C'est-à-dire, euh, quelle que soit leur fonction dans, les, dans la phrase, euh, la forme c'est pareil. Hein? C'est-à-dire, c'est que ce soit je, me euh, ou moi et c'est pareil. C'est 我. Hein? Comment on dit je t'aime en chinois On dit 我爱你, je aime tu. Hein Donc, 我爱你, tu. C'est te » normalement en français, mais ici, tu ou te ou toi. C'est pareil. Hein c'est ni. Hein 我爱你, ça veut dire je t'aime en français. Donc, hey, c'est le verbe aimer. On va euh, apprendre plus tard, ok? Nous connaissons les pronoms personnels. Maintenant, on va commencer à construire des phrases. Le verbe qu'on va apprendre aujourd'hui est le verbe être. Shi. Exemple. Je suis chu. Je suis chu. Je, Je suis professeur HU Donc on dit HU LAO SHI ou bien je suis chinoise. On dit, rén. On peut aussi dire on peut se, pr se présenter avec je aussi dire je suis directement le nom prénom. Hein? Donc la structure de ces phrases, c'est sujet plus ch plus objet. Les phrases comme ça, souvent, c'est pour définir les métiers, les nationalités, l'identité de quelque chose ou bien quelqu'un. Il faut faire attention, l'emploi de ch en chinois, il est beaucoup plus restreint que être en français. En chinois, pour qualifier quelque chose ou quel quelqu'un, souvent les adjectifs, ils peuvent jouer le rôle de verbe. ce qu'on appelle les adjectifs verbaux ou bien des verbes adjectifs. Exemple, la Chine est grande. On dit ⁇,⁇中国大 ta ⁇ Sujet ⁇ ta ⁇ Grande directement. On ne met pas shi » dans des phrases comme ça. Donc, un autre exemple, si on veut dire quelqu'un qui est grande, on dit ta, heng ta, heng Il est très grand. On ne dit pas ta, hein, ka. Ok, aujourd'hui, nous s'arrêtons ici. Vous connaissez les pronoms personnels. Vous connaissez aussi le verbe être, Chu. Vous pouvez vous entraîner chez vous pour faire des petites phrases. À bientôt! C'est bien!